Bonjour tout le monde. Coucou, là là, je vois que vous êtes déjà connectés. Super, coucou Nathalie. Bonjour Héloïse. Comment ça va? Ça y est. Oh. C'est bizarre, on dirait que, je sais pas, il y a un truc là, sur mon écran, comme s'il y avait un voile blanc. Ça fait tout bizarre. Je sens qu'il va encore y avoir des bugs sur les commentaires. Coucou Jérôme, salut Evelyne. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau live. Bonjour Viviane. Comment ça va? Bonjour Marianne. Coucou Laurent. Super, ça y est, tout le monde est là. Coucou Émilie. Oh, mais coucou Sandrine! Coucou Carole. Bonjour Marie-Thérèse, comment ça va? 30 minutes de live, Héloïse, avant de partir au travail, il n'y a pas de souci, ma belle. Avec plaisir. Tu sais qu'il y aura le replay comme à chaque fois. Coucou tout le monde. Eh bien, écoutez, je suis ravie qu'on se retrouve aujourd'hui pour le live 64. Et aujourd'hui, on a prévu donc de faire un mini-album zigzag. Coucou Muriel, bonjour Sylvie. Coucou Makati. Allez, je fais une pause, tant pis, je prendrai une pause. Ça va ma belle? Alors, aujourd'hui, non seulement donc on va réaliser le mini-album ensemble, mais en fait, j'avais une petite surprise pour vous. Bonjour Martine, bienvenue. Coucou Cécilia. Si la petite surprise venait bien me rejoindre. Parce qu'aujourd'hui, je suis pas toute seule. Bonjour Coco, salut Magali. Regardez, regardez, regardez. Eh oui, c'est Sandrine qui est là avec nous. Elle est venue chez moi juste pour me voir. La démone est là. La démone. J'ai. Salut Ticia, coucou Laurence, coucou Isa, salut Françoise, bonjour Catherine. Mais non! Et si, si, elle est là! Oui, elle est arrivée pour passer quelques jours avec moi. Voilà, on vous a rien dit, c'était la surprise, on voulait vous faire la surprise comme ça aujourd'hui. Coucou Martine, coucou Ticia. Attention, ça va piquer les yeux. Je sens qu'il va Vas-y, être en il forme. arrive. Je vais disparaître rapidement, heureusement. T'es pas gentille, je sens que le live va être compliqué. Oh, mais non, ma Cathy! Et on a les larmes aux yeux. On pense pas à toi, ma belle. Tu vois, mais il fallait que tu sois là. Merci d'avoir pris ta pause, du coup. C'est trop bien. On te fait des gros, gros bisous. Coucou, Carole. Ouais, bah ouais. On est contente de se retrouver. Enfin, de se Enfin. trouver, en fait. Parce que pour ceux qui savent pas, c'est la première fois qu'on se voit en vrai, toutes les deux. Puis en fait, c'est comme si. En fait, non. En fait, tout va bien, quoi. Voilà. C'est comme si on se connaissait déjà depuis très très longtemps, en fait. Donc, voilà. Laurence, alors je fais le mini-album aujourd'hui. Mini-album zigzag. Je vais vous remontrer après. Bonjour Nadine, comment ça va? Oui, Martine, c'est trop trop bien. Mais non, reste, ça équilibre entre. Je veux même pas le dire. Espèce d'affreux! T'as en Mais plus il est la. pire que ce que je pensais! Jay, tu sors! J'avais dit qu'il fallait pas que je vienne devant l'écran! T'inquiète pas, tu vas te venger. On va se venger. Je vais passer derrière, dans Ouais. les coulisses. Ok, Laurence, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc voilà, ben voilà, j'avais envie de partager ça avec vous.
Elle scrape à côté comme Lily d'habitude. Non, elle va faire comme d'habitude. Rigoler, faire des commentaires et ne rien suivre. Voilà. Et bah si, Laurence, t'inquiète, elle va quand même donner les mesures. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Tout comme d'habitude. C'est ça. Un homme et il se fait remarquer. Ouais, je suis bien d'accord, Evelyne. T'as bien raison. Il est vilain. Je vous jure. Donc voilà. Bon, ben, bon live, hein. Je file, hein. C'est pas ma place ici. Moi, bisous tout le monde. Vous avez froid avec les manches longues? Ben non, mais il pleut, en fait. Pas spécialement qu'on a froid, mais il pleut, donc c'est un peu tristounet. Ouais, non, il fait triste, c'est l'automne. Il a dit, Cathy, que c'était la Belle et la Bête. Bon, on aurait pu dire Laurel et Hardy aussi. L'Auguste et le clown blanc, voilà, il y a plein de duos. Au secours. Elle a dit, tu restes là, hein. Non, ça, c'est pas possible. Déjà, j'ai réussi à la convaincre de venir à côté de moi, au moins pour le début, hein. Donc, c'est déjà un gros effort. Merci d'avoir dit oui. À tout de suite dans les coulisses. Voilà. Elle se cache. Oui, oh, t'inquiète. Oui, des c'est fois, le... tu m'appelles pour rejouer. Bah si, c'est possible, hein. Voilà, bon, du coup, je vous promets pas de pas faire de boulettes aujourd'hui, hein. Voilà, c'est tout à fait exceptionnel aujourd'hui et j'en suis ravie d'ailleurs. C'est vraiment les bons plaisirs, je trouve, de la vie. Voilà, c'est tout va bien, je suis contente. Cathy dit, si, je prends ma pause, alors tu restes. Mais elle est juste là, elle est juste à côté. Même que si elle parle un peu plus fort, je pense qu'on peut l'entendre. Ça va dépendre des commentaires qu'il va y avoir. S'il y a des moments où je la vois bondir, je saurai pourquoi. Hein. Alors, on est sage. Hein. Soyez sympa. Hein. Alors, coucou Louison, comment ça va? Bienvenue. Si tu te trompes, ce sera de la faute de Sandrine. Oh non, c'est pas de sa faute, non. Et moi qui suis un peu perturbée. Coucou Marotine. Petite cachotière, bah oui, hein. Oui, on a gardé ça pour nous, bien sûr. C'est quand même... La récompense. Ouais, on est trop contentes, nous. Voilà, vous nous auriez vu nous retrouver tout à l'heure. Deux ados, pareil. Voilà. On va pouvoir compter les voilà. Oui, c'est fort possible, ça changera pas, ça. Alors, bon, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet parce que du coup, le mini-album, il va falloir que je me concentre quand même pour pas faire trop de bêtises. Si vous avez peur que je me plante trop aujourd'hui, regardez, profitez, et puis vous ferez donc le replay, vous aurez la fiche technique sur le blog comme chaque semaine, d'accord, vous pourrez le refaire tranquillement. Si jamais ça va un petit peu trop vite pour vous, ou si c'est trop compliqué, voilà, donc pas d'inquiétude, vous aurez tout ce qu'il faut, comme à chaque fois, juste après le live. Émilie, t'as reçu ta commande? Ah, souhaite. T'as fait des folies, toi aussi. Justement, en parlant de commandes, je vous rappelle que tout ce mois-ci... Cathy est partie dans les emojis. J'ai plein de petites smileys qui se promènent sur mon écran. Ah bah c'est pas la seule. Ah, c'est des petits cœurs maintenant. C'est trop mignon. Donc tout le mois de juillet jusqu'au 2 août, Stampin' Up! Nous fait encore une promo très sympa. C'est-à-dire 15% de réduction sur les produits de papier design. Donc toute une sélection de papiers. Donc du coup c'est le moment de faire le plein si vous avez des petits coups de cœur sur ces superbes collections. Donc c'est le moment de faire le plein, n'hésitez pas. Alors, binôme de ouf. Ouais, je suis d'accord. On va sûrement trouver ça trop court, mais en tout cas, on va en profiter, ça c'est sûr. Alors, je retourne mon écran. Hop, voilà. Et du coup, on découvre ensemble donc le mini-album Zigzag. Donc vous l'avez vu déjà hein, dans les photos que j'avais publiées sur la page et sur mon blog. Donc voilà comment il se présente, le petit bandeau d'ouverture, comme ceci, voilà.
Donc vous voyez, hein, il est assez conséquent. Vous avez de quoi mettre pas mal de photos. Voilà la vue du dessus. Voilà, donc là j'ai travaillé avec la collection Cueillette de pêche, qui a un grand succès en ce moment d'ailleurs. Tonton, ne commence pas, s'il te plaît. Hein, ça va. voilà, il plaît énormément, mais c'est vrai qu'il est magnifique. Ici, je l'ai travaillé donc avec toujours le béguin bleu. C'est vraiment mon bleu favori. Et du coup, les emplacements pour les photos, vous voyez. Donc un mini-album très sympa, assez original. En soi, pas compliqué à faire. Coucou Camille, je t'avais pas vu, désolée. Donc voilà, aujourd'hui, je vais le travailler avec une collection que je vous avais déjà montrée. Vous savez, c'est la collection Joyeux... Non, oh, bah, j'ai oublié le nom. Ça promet, ça commence. Le papier de des cadeaux hôtesses qui sont à la fin du catalogue. J'ai avalé le nom, mais vous allez sûrement vous en souvenir. J'en avais fait beaucoup avec les pingouins aussi. Donc beaucoup de motifs, de couleurs et noir et blanc. C'est pas mon catalogue. Bah voilà. Ah. On va mettre tricherie maintenant. Oui. C'est ça. Très petite photo. Alors attends, je regarde le live et le livreur me livre un reste de commande. Timing parfait. Bah ouais, Ticia, tu m'étonnes. Pile poil. Nadine, les photos mesurent 5,5 par 7,5. Oui, 5,5 par 7,5. Voilà, motif en fait. Merci. Jérôme si dit Sandrine un coup de règle pour chaque bêtise. C'est pas elle qui fait des bêtises, c'est moi. Exactement, c'est la collection motif en fait. Vous avez énormément de papier format 30-30, un côté coloré, un côté noir et blanc, comme vous voyez par exemple ici avec les papiers que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, les mesures, il y en a pas mal effectivement. Je vais laisser... je vais vous les redonner au fur et à mesure. Ah, c'est Sandrine, c'est toi qui dois me frapper à chaque bêtise en fait. J'avais pas compris. Je suis pas frappée, moi. Je vous jure. Donc je vais vous redonner les mesures des papiers au fur et à mesure, bien sûr. Et donc je répète, ne vous inquiétez pas, vous aurez donc la fiche technique après le live. Alors, on va démarrer tout de suite avec le papier uni, la base en fait du mini-album. Donc, on est parti sur une couleur unie au choix. Hein, vous voyez ce que vous préférez utiliser. Il vous en faut deux, donc je reste moi sur le papier blanc. Donc, un premier morceau de papier qui mesure 24 par 18,5. Et le second, 28 par 18,5. Donc 28 par 18,5 pour un morceau et 24 par 18,5 pour le second. On va venir y faire des plis, vous vous en doutez bien, pour donner donc l'aspect accordéon de l'album. Ok, donc là j'ai pris donc du papier blanc simple mais l'épais. Le papier épais cartonné pour lui donner un peu plus de maintien. Mais ça marche aussi très bien avec le papier uni de couleur, il n'y a aucun souci. Alors, c'est parti. Je vais démarrer donc avec le premier morceau, celui qui mesure 24 par 18,5. Voilà, donc hop. Je place les 24 cm en haut. D'accord ? Morceau de papier qui traîne. Et en fait, on va venir faire des plis tous les 4 cm sur ce morceau de papier. Alors, c'est parti. Donc, le premier 4, tous les 4 cm. 8.
Toute charmonie, dit Muriel. Oui, oui, oui. Ensuite, 12. Donc je vous rappelle tous les 4 cm. Hein. 4, 8, 12, 16 et 20. Voilà, donc ça c'était les plis tous les 4 cm sur le papier qui mesure 24 par 18 et demi. Ensuite je prends le second, donc celui de 28 par 18 et demi. Et là, je viens faire exactement la même chose, donc des plis tous les 4 cm. Il y aura juste un pli supplémentaire. On ira jusqu'à 24 au lieu d'aller jusqu'à 20. Cathy va débarquer. Donc 4, 8, 12, 16... 20 et pour finir 24. Voilà, donc là nous avons tous les plis pour notre base d'album accordéon. On va s'arrêter chez tout le monde, pourquoi pas. Ok, alors on va venir faire les plis là-dessus, je vais les marquer tout de suite. Et ensuite, il va suffire en fait de relier donc ces deux morceaux de papier l'un avec l'autre. Donc on vient faire des plis en accordéon. Un sur deux, comme ça. Voilà. Bon, jusque-là, ça va, vous arrivez à suivre, c'est ok. Hop. Voilà, donc ça va nous donner un premier comme ceci. On fait pareil avec le deuxième. Jérôme est fou. Il nous dit qu'il faut surveiller la rubrique nécrologique dans quelques jours. Je savais que ça serait du n'importe quoi ce live. Voilà, donc ça y est, nous avons donc les deux morceaux. Le scrap tour de Cathy. Coucou Flo, comment ça va? Oui, bien sûr, je te montre le projet tout de suite, ne bouge pas. Hop, voilà, un mini-album qui se présente comme ceci. Voilà, ma belle. Alors, nous allons assembler donc cette base de mini-album. Pour cela, vous allez mettre la partie la plus petite sur la gauche. Donc, le morceau de papier qui fait 24 par 18,5. Coucou Laura! Sur votre gauche, avec la partie, comme on appelle, vallée, c'est-à-dire plus creux, d'accord? Sur la gauche, comme ceci. Le morceau le plus grand, donc, sur la droite, toujours avec la vallée sur la droite. On a une vallée à gauche, une vallée à droite, ok? Et on va simplement venir relier les deux morceaux l'un avec l'autre. Mais oui, t'as raison, va voir ta famille, profites-en, profitez de ces petites vacances. Laura, pas de soucis pour le replay, ben, je viens juste de démarrer, mais aucun problème pour le replay, avec plaisir. Je vois que vous êtes en forme. Donc, on relie les deux parties entre elles. D'accord? Tout simplement pour rejoindre comme ça l'ensemble. Coucou Dimitri, merci beaucoup, c'est très gentil. Oh,
Ah bon? Attendez deux secondes. Vas-y. Salut petit frère. Énorme. J'adore. C'est trop fort. Donc on relie les deux parties. Moi il y a mon tonton, toi il y a ton frère. C'est trop bien. Mon frère qui regarde du scrap. Comme quoi tout arrive. Il a dit coucou. Coucou le frère de Sandrine. Alors, je viens relier donc les deux parties. Pour que ce soit plus joli, voilà, je vais mettre comme ça. Hop. Donc, un petit peu double face. Voilà. Ça, ça sera bon. Voilà, j'ai perdu mon touche à tout, mais c'est caché. Hop. Je vous jure. Eh bien, sincèrement, moi je vous dis, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense des réseaux sociaux, ça a quand même un côté extraordinaire. Sérieusement. Moi, j'adore. Hop, voilà. Donc, j'ai bien ma vallée ici, ma vallée ici. Hop. Ben comment, il y a un homme dans votre équipe, non? Oui, oui, il y a un homme dans mon équipe, Flo, exactement. Jérôme est devenu mon filleul. Et voilà. Oui, t'inquiète, t'inquiète, ma Cathy. Plein, plein de bisous à toi. Un deuxième, ça aurait été bien. Oui, oui, bah écoute, on va demander à Sandrine si... Je sais pas d'autre frère. Et celui-là, non. Il est plutôt pêche. Plutôt pêche. Bon, ceci dit, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Un deuxième, ça aurait été bien. Mais oui, écoute, Jérôme, je t'en prie. Trouve-nous un autre homme à intégrer à l'équipe. Ça sera un vrai plaisir. Gros bisous, ma Cathy. Tu nous enverras des photos. Voilà, là, c'est assemblé. Ok, on continue, on avance. Maintenant, on va venir faire les bandes ici qui vont accueillir ensuite le papier design et les photos. Hop. Gros bisous, Flo, bonnes vacances. Pour cela, il nous faut des morceaux de papier uni. Donc là, j'ai pris une autre couleur, je suis partie sur le piscine party. Il vous faut 3 morceaux de 24 par 6. Voilà, 3 morceaux de 24 par 6. Et 3 autres morceaux de 18 par 6. 3 de 24 par 6 et 18... Et 3 de 18 par 6. Ok, coucou Fatou, comment ça va? Donc, sur ces morceaux de papier uni, on va également venir faire des plis. Alors, il faudra faire une fiche technique pour le marquage. C'est jamais droit avec moi. Pour le marquage, qu'est-ce que tu dis? La fiche technique, tu vas l'avoir? Pour apprendre à marquer les plis. Sérieusement? ça va devenir compliqué là, crapouillot. Il se fiche de moi là. Là, on peut rien faire. C'est désespéré là. Bien. Je viens donc faire 2 plis sur les grands morceaux et sur le petit. Alors, c'est parti. Je reprends mon morceau de 24 par 6. Je viens faire un premier pli à 8 cm. Et un second à 16 cm. Je fais ça sur ces 3 morceaux de papier. 8 hop, et 16. Voilà,
ça sur les trois morceaux. Comme ceci. Et ensuite, les trois autres bandes, donc celle de 18 par 6, je viens faire un pli pareil. Les mesures sont identiques. 8 cm, 16 cm. Hop. Et du coup, on se retrouve avec, sur cela, juste une petite bande au bout. Ok ? On va venir ensuite les coller ensemble. Ouais, bon courage Coco. Bon courage pour ton rendez-vous avec ton papa. Merci d'avoir été là. Gros bisous. 8 et 16. Voilà, les mesures de plis sont toujours les mêmes pour ces 6 morceaux de papier. 8 et 16. Voilà. Donc, maintenant, nous allons les relier entre eux. Donc, je vais venir les marquer. Pareil, on les plie, hop, en accordéon, tout simplement. Un pli dans un sens et le second dans l'autre. Et je vais vous montrer ensuite comment les assembler. Voilà. Pour le papier design, faut-il faire attention au sens de l'imprimé? Oui, parce que du coup, il y a une longueur et une largeur. Donc, pour le papier design, c'est donc... attendez, ne bougez pas, je retrouve les mesures. 5,5 par 7,5. Donc, 5,5 ici. Oula, pardon, je suis hors champ. 5,5 par 8,5, 7,5. Oh, 5,5 par 7,5. C'est bon, Carole? Vous pouvez aussi décider de mettre du papier de matage. Donc, vous ajoutez 0,5 à vos mesures si vous voulez ajouter un papier de matage. Hop. Voilà. De rien, Carole. Voilà, donc ils sont tous pliés. Maintenant, on va les relier en fait par deux. On va les relier par deux. Pour cela, alors, bougez pas, je reprends mon schéma correctement. Voilà. Donc, nous avons ici le papier le plus grand, donc 24 par 6. Ça va faire un peu épais avec le matage. Non, ça passe. Je l'ai testé. Tu peux le faire. Je prends le second. Voilà, je vous montre. Comme ceci. Voilà. Donc, pour assembler les deux morceaux. Retrouvailles ont été arrosées. Non. Sous l'eau. C'est ça. Sous la pluie, on a failli se prendre une averse en voulant manger dehors. C'est tout, on est très sage. Donc, on a le 24 par 6 ici à gauche. On a une vallée ici, une montagne ici. On a ici le 18 par 6 avec la petite languette qui est ici. Et on vient simplement les assembler ensemble. Comme ceci, par le petit pli ici. Ok ? Ça marche pour vous ? Donc, si je le mets dans ce sens-là, voilà, ici, j'ai mon pli, là. Et on vient les assembler ensemble. Pas de souci, Héloïse. Bon courage pour le travail cet après-midi, ma belle. Ciao! Donc, eh bien, je viens coller. Hop! Voilà. Oui, arrosé par une belle averse, c'est clair. Mais on s'en est bien sorti quand même. Donc évidemment, on assemble. Hop,
les trois morceaux, enfin les six morceaux, deux par deux. Voilà. Oh, jusqu'à 23h, Héloïse. Oh la vache, ça fait long. On se retrouve avec des bandes comme ceci, donc on continue. Imagine si on se mettait à boire. Arrête, tu vas leur donner des idées, toi. Je te jure. Alors, hop, je rappelle, la vallée ici, la montagne ici, hop, et comme ceci pour assembler les deux morceaux. J'espère que ceux qui ou celles qui sont en train de réaliser l'album en même temps arrivent à s'en sortir, arrivent à s'y retrouver. Ah oui, la restauration, bah oui, forcément, oui. Hop. Voilà. Et le dernier. Laurence dit on préfère pas imaginer. J'étais en train de me dire je nous vois plutôt en pyjama. Les deux folles avec les tisanes en pyjama. C'est plus comme ça. Hop là. Et voilà. Hop. Zou. Maintenant, je vais coller tout de suite les morceaux de papier design. Avant en fait de venir coller ces bandes ici, donc qui viendront se coller sur les zigzags ici de votre mini album. Pas vu Harmony en pyjama. T'as pas besoin, je te rassure. Y a que lui pour dire des trucs pareils. Je vous jure. Ça viendra en fait se positionner comme ça. Voilà, en vous assurant bien sûr de cacher. Attendez, hop. Qu'est-ce que j'ai fait dans l'autre sens, Harmonie, ça sera mieux. Ça viendra comme ça. Hop. Et hop. Voilà. Mais je vais vous le remontrer, bien sûr, quand je vais assembler tout ça. Laurence, tu vas pas t'y mettre aussi. Elle se moque de moi encore avec mes tics. Je sais, j'ai des tics. Donc là, en fait, il s'agit que vous choisissiez la disposition de vos papiers design et de vos photos. Donc je vous remontre ici. Donc vous voyez, j'ai fait 1 sur 2. D'abord une photo ici, puis le papier design, etc. J'ai alterné. Bien sûr, vous pouvez aussi décider de ne mettre que des photos sur la partie zigzag. D'accord ? Il faut vraiment vous sentir à l'aise. Ou vous pouvez décider d'en faire 2 par 2. Ou... voilà. Mais vraiment... sentez-vous libre, je vous redonne les mesures des papiers design et potentiellement de vos photos, mais après vous disposez comme vous voulez. Donc les morceaux de papier design, donc, je vais enlever ça pour pouvoir venir les coller tranquillement. Hop, donc c'est toujours pour moi, ça sera donc 1 sur 2. Je vous remets ça ici, ça vous donne une idée. Voilà, ça va venir comme ça sur le mien, ici et également ici. Bonjour Dominique, comment ça va? Alors pour une fois, je suis d'accord avec toi Jérôme. Ils veulent qu'on fasse un karaoké. Et Jérôme dit non, il pleut assez. Je suis assez d'accord. Mon Dieu. Les morceaux de papier design mesurent 7,5 par 5,5, donc la quantité que vous souhaitez.
Et pour les photos, bah, les dimensions sont les mêmes. Donc là, j'ai prévu déjà les miennes avec mon petit Huron en photo. Il est choupinette avec, voilà, Huron qui part à la chasse aux grenouilles. Crapouillo. Voilà, ça veut pas bien ce mot. Pas feu ici. Ah bah non, là, voilà, en tête à tête avec Crapouillo. Voilà, donc ça, ça va être les photos qui vont aller dans mon mini. Donc voilà, vous décidez vraiment de la quantité de papier design que vous souhaitez mettre et du nombre de photos. Je vais essayer de coller ça assez rapidement. Hop, voilà. Pas touché à la famille. Lui qui est bête. Bon, en général, il les mange pas, je te rassure. Il joue avec, mais c'est tout. Du coup, je me suis plantée, c'est pas grave, fais attention, c'est ça. C'est Martine qui lui dit, Crapouillo, fais attention si tu vas chez Harmony. Oui, vaudrait mieux qu'il se méfie, oui. Il va dormir dans la mare. Je vous jure. Hop. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois, vous allez sûrement prendre pour une folle. Mais en même temps, vous allez voir que il y a beaucoup de bonne humeur sur ces lives. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire. On se retrouve aujourd'hui pour faire un mini-album zigzag. Et chaque mercredi, en fait, il y a toujours une très bonne ambiance sur ces lives. Puisqu'il y a des personnes chères à mon cœur qui sont là quasiment toutes les semaines. Et du coup, on rigole bien. Voilà. Donc j'espère que vous aussi, qui arrivez pour la première fois, vous passerez un bon moment. Et surtout, n'hésitez pas à me faire signe si justement vous débarquez sur ce live un peu fou pour la première fois. J'espère ne pas vous avoir effrayé. Hop. Voilà, il faudrait que j'aille un tout petit peu plus vite pour coller tout ça. Voilà. Hop, hop, hop. Je vous jure. Bisous. Presque bon. Hop. Et s'il y en a parmi vous qui sont en train de réaliser le mini en même temps pendant le live, est-ce que ça va? Est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, hop, comme je fais 1 sur 2, c'est parti avec celui-ci. Voilà, on y est presque. Ça y est, je commence à avoir chaud. Evelyne, c'est bon, t'arrives à suivre, super. Jérôme, alors ces photos-là, non, je les ai imprimées moi-même avec mon imprimante. J'ai un petit peu bidouillé, mais c'est gérable. Carole, un peu lente, mais ça va, j'adore le projet. Moi, je suis contente que ça vous plaise. Mais du coup, pas de panique. Hein. S'il y a quoi que ce soit, vous pourrez reprendre en replay, il n'y a pas de souci. Hop. Et là, il me manque un morceau de papier. Il est où? Ok. Alors, bougez pas. Ah bah non, c'est que j'avais prévu de mettre une autre photo là. Bon, bah pourquoi pas. Hop, ça sera donc une deuxième photo ici. Nadine n'arrive pas à suivre, la pauvre, entre les commentaires et les vidéos. Et la vidéo, ça fait beaucoup pour la même, mais ça je comprends. Hein. C'est pour ça que Sandrine, elle n'arrive jamais à faire les projets en même temps.
Il y a Laurence qui dit Sandrine rend le morceau de papier à Harmonie. Mais non, elle est trop loin de moi, elle peut pas l'avoir pris. Alors, on y va, on va me coller donc maintenant les fameuses bandes de papier. Donc, on a toujours nos vallées ici aux extrémités. Hop. Je reprends mon album sous les yeux. Voilà. Donc, ça va venir se coller comme ceci. Pour cela, vous utilisez ou de la colle ou du double face. C'est vraiment ce avec quoi vous vous sentirez les plus à l'aise. Donc, venez le positionner déjà dans un premier temps pour vous donner une idée des emplacements. Hop, c'est toujours 1 sur 2 en fait. Voilà. Voilà, ça va venir se placer comme ceci. Vous inquiétez pas, hein, on a d'autres parties qui vont s'ajouter ici. Mais bon, détente assurée. Ah, bah, tant mieux, Nadine. Si vous passez un bon moment, c'est l'essentiel pour moi. Ok. Donc, vous voyez à peu près, je vais vous mettre ici la base du mini-album. Donc ici, c'est bien sûr délimité par montagne-vallée. Ah, c'est trop gentil, Laurence. C'est cool si vous passez un bon moment à chaque fois. Et là, bien sûr, vous voyez indiquer les endroits où vous allez devoir coller les fameuses bandes de papier sur lesquelles nous avons collé les papiers design et les photos. Excusez-nous. En fait, j'ai un appareil qui me tue les mouches et nous avons fait un bon. J'ai vu son âme sursauter. Pardon, excusez-moi. J'ai rarement eu de fou rire en live, mais... vraiment désolée. Alors, donc je disais, ça vous laisse le temps de voir. Le commentaire de Laurent. J'étais tombée. Je sais pas. Je suis vraiment désolée, excusez-moi. Donc, ici, ce sont les endroits où vous allez devoir coller vos bandes de papier unies. Je vais le faire en même temps. Faites bien attention quand vous allez coller, en fait, de ne pas mettre de la colle ou du double face partout. Il faut vraiment que ça soit uniquement sur cette partie-là, qui est donc moins large que celle-ci, bien sûr. Le fou rire est contagieux, Nadine, ça me fait plaisir. Et je vous cache pas que ça me rassure un petit peu, parce que... Donc, je viens coller hop, l'extrémité de cette première bande sur cette partie ici. Voilà, je laisse quelques millimètres en haut, mais
un ou deux grands maximum. Hop, et je viens le maintenir. Et je continue, donc on laisse un espace ici où on ne colle pas la partie montagne et on colle la partie vallée des deux côtés. Donc peut-être que ça vous aidera plus ici. Donc là et en face, donc je colle dans la vallée. Et Laurence, elle pleure aussi. Et en fait, il s'agit de venir coller donc cette bande, une sur deux, dans les vallées. Hop. Voilà, j'espère que je suis claire. Systématiquement, la bande se colle dans une vallée en laissant une vide. Ah bah écoutez, tant mieux si vous aussi ça vous a fait rire, c'est l'essentiel. Voilà, hop, c'est communicatif. Ah bah tant mieux, ça aura ensoleillé un peu la journée de chacun. Et je ne sais pas si Viviane Chagnon est là aujourd'hui, mais... j'ai une grande pensée pour elle qui avait fait des bons samedi avec la même machine. Donc elle doit parfaitement savoir de quoi il s'agit. Et je continue donc hop, à coller dans les vallées. Voilà. Donc pour la partie centrale, on s'assure de... Elle est là, Viviane. Ah, bah oui, Viviane. Vous savez, c'est l'appareil bleu. C'est ça qui lui a fait peur à Sandrine. Hop. Non, mais il est pas croyable. Hein. Le vilain. Et on continue. Hop. 1 sur 2. Je m'apprête à faire une bêtise encore. Non. 1 sur 2. Voilà. Ça va tout le monde? J'ai pas fait fuir tout le monde. Ah bah tant mieux, merci Muriel, ça va, je suis rassurée du coup. Hop là. Sandrine, il va falloir prévoir un hélicoptère chaque mercredi. Ouais, ça va être compliqué, hein. C'est dommage, hein. Oh là là, j'ose même pas imaginer, ouais. Tu m'étonnes. 400 km, je sais pas. Hop. Voilà. Ça prend un petit peu de temps à coller, je vous l'accorde, c'est certain. Mais du coup, hop. C'est un super rendu quand même. Donc, ça y est, comme ça, on a le mini. Je vous le disais, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Hop, il vous faut donc pour les côtés, deux morceaux de papier uni de 18,5 par 17 cm. 18,5 par 17 cm sur lesquels vous venez faire un pli au centre à 8,5 sur les 17 cm. Donc on a les 17 ici et je viens faire un pli au centre à 8,5. Tout simplement, hein, vous pliez en deux comme ça. Ni plus ni moins, ça va venir hop, ici et ici.
Voilà, ça va maintenir toute la structure de notre album, vous voyez, comme ceci. Et on va pouvoir également y mettre du papier design. Donc là, j'en ai mis ici à l'intérieur et ici pour l'extérieur. D'accord ? Je reste donc sur ce même papier dont je vous parlais. Hop, voilà. Ces morceaux de papier design font 18 par 8 cm et il vous en faut 4. Ok ? Donc, je viens dans un premier temps coller le papier uni sur la gauche et la droite par l'avant. Jusqu'à la ligne de pli. Voilà. On fait attention que ce soit bien aligné en haut et en bas. Voilà. Pareil sur la gauche. Bon là, j'y vais avec la colle, parce que du coup, si j'ai un petit souci d'ajustement, j'ai quelques secondes pour le faire, normalement. Oula, je suis tout qui se promène. Voilà, donc j'ai le morceau de papier design qui va venir ici et un autre ici. Donc quand il se referme, on a l'avant ici et l'arrière ici. Pour changer un petit peu de noir et blanc ici et là. Et ensuite, il nous restera simplement à faire le bandeau de fermeture avec un morceau de papier uni tout simplement. Voilà. Hop. Comme ceci. Et du coup, je viens terminer à l'arrière en venant coller ce même papier uni ici et en venant mettre le papier design là. Ça fait un petit peu l'impression d'un livre. Hop. Donc je vérifie, c'est bien ici mon papier à l'avant. Donc hop. Comme ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous en sortez? Voilà, je retourne, je viens ici coller le verso. Heureusement que j'avais préparé un petit peu à l'avance la déco, parce que du coup... c'est un petit peu plus long. Voilà. Donc, la bande de fermeture, un morceau de papier uni de 29,7 par 2 cm. Et en fait, tout simplement, on vient le positionner. Alors, surtout, on s'assure de ne pas serrer trop fort, puisque vous le savez, vous allez avoir vos photos qui vont s'ajouter. Si ce n'est pas déjà le cas, du coup, vous allez avoir une surépaisseur. Donc, ne serrez pas trop votre bandeau, c'est inutile. Voilà. Là, ça sera un petit peu long, donc vous pouvez bien sûr couper un petit peu votre papier, mais vaut mieux avoir une petite marge
plutôt que de se retrouver avec une bande qui sera vraiment trop courte. Donc on aligne bien, voilà, pour avoir suffisamment d'espace pour que ça glisse. Ouais, c'est pas faux. Enfin bon, ça n'a pas la même chose là du coup. Voilà, ça vient comme ça et on s'assure que... C'est... Bah oui, c'est pas en zoom aussi, Laurence, c'est pour ça. Hop, je viens couper un petit peu, je viens simplement coller. Zou. Et du coup, j'ai mis un petit peu trop de colle, mais je vais l'enlever. Voilà, on aligne bien. Voilà. Du coup, nickel. Ce que je fais, c'est que je le passe à l'avant et je vais du coup lui cacher le pli avec ma déco que j'ai déjà préparée. Et du coup, j'ai travaillé avec Joyeux Compagnon. Vous vous souvenez de cela? Pour aller avec Huron, hein, forcément. Voilà, ça va venir ici avec le dimensionnel. Le centrer un petit peu. Et voilà. Pour le côté marrant, je trouve, je vais ajouter le petit chien derrière sur mon petit bandeau ici. Juste comme ça. Pour le côté un peu marrant. Ouais, c'est mignon. Ça te plaît, Titia? Voilà. Voilà, voilà. Ah, bah écoutez, on a réussi à aller jusqu'au bout de ce mini-album zigzag. Malgré tout ça, alors bougez pas. Voilà les deux versions. Hop là. J'ai perdu mon truc de colle. Voilà. Voilà, voilà les deux versions du mini-album Zigzag. Je suis bien contente d'avoir réussi à aller jusqu'au bout. C'était pas gagné d'avance. J'espère que ça vous a plu. Merci Louison. J'espère que vous avez réussi à le faire ou en tout cas que vous le terminerez tranquillement ensemble. Oh, t'inquiète pas, tu vas l'avoir Laurence. Je bascule de l'autre côté. J'espère que vous avez passé un bon moment, un live un petit peu particulier, mais plein de joie, plein de bonheur, plein de rigolade, donc un live au top. Voilà, j'espère que vous avez vous aussi passé un bon moment. Je crois qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes qui eux aussi ont participé au petit fou rire. Je sais pas si j'ai du mérite, mais j'étais pas sûre d'y arriver quand même. C'était pas gagné d'avance. Merci Fatou, c'est top. Je suis contente. Tu es toute rouge. Bah oui, oui, non, mais j'ai vraiment très très chaud. Carole, j'espère que vous avez réussi à aller jusqu'au bout de votre mini. Et n'hésitez pas à me le montrer, ça me fera plaisir. Marianne, tant mieux, c'est super. Si jamais vous réalisez vous aussi le mini, n'hésitez pas à le publier avec le hashtag HarmonyScrap pour que je puisse moi aussi en profiter, pouvoir le découvrir. Et également, j'ai oublié une petite info, je grille sur l'appareil à mouche. Ça doit être ça. C'est dommage, ça ne fait pas UV, ça me ferait du bien en ce moment. Bon après-midi Marianne. Si vous n'êtes pas déjà ma cliente et que vous voulez recevoir le mini-catalogue août-décembre, n'hésitez pas à compléter le formulaire qui se trouve en haut de la vidéo, uniquement si vous n'avez pas déjà démonstratrice et si vous n'êtes pas déjà ma ou mon client, pour recevoir donc le mini-catalogue août-décembre et la brochure de la Celebration du mois d'août qui arrive très très vite. Super Evelyne, merci Nadine.
Je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup d'avoir été présent et d'avoir joué le jeu cet après-midi. J'espère que vous avez passé un beau moment. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain live. Merci ma bichette d'avoir bien accepté de venir avec moi. Allez, bon après-midi à tous. Ciao !